C'est le RS3 2017, donc 2 litres 5 TFSI de 5 cylindres. Très sobre quand vous le voyez comme ça, parce qu'il a enlevé les logos RS derrière. Donc vraiment très très joli. C'est pas si sobre que ça quand vous allez voir. Quand on va faire le test sur route, c'est quand même du grand n'importe quoi. Les disques sont énormes. Malheureusement, ça freine très très mal les disques de chez Audi. Mais franchement, super belle caisse. Franchement, il n'y a rien à dire. Ce qui est de l'intérieur, elle est full option. Il lui manque juste une option. Un petit peu bizarre qu'il manque cette option, mais il manque la caméra de recul. Sur ce genre de voiture, c'est vraiment dommage. Regardez-moi ce volant. Magnifique ce volant. C'est incroyable ce volant semi-alcantara, semi-cuir. Je le trouve très 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 beau. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes les gars. Parce que franchement, là aujourd'hui, je vous ai ramené du lourd. Regardez-moi ça, ce convoi qu'on a fait là pour venir juste filmer ce petit RS3. Pour ce qui est de l'arrière, on a de la place. Bon là, les sièges sont très reculés, mais on a de la place. C'est une vraie voiture familiale, super confortable et en même temps super sportive. Intérieur noir avec des petits détails rouges. Comme vous pouvez voir, les petites surpiqûres rouges sur les côtés des baquets. Très 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 joli. Franchement, regardez-moi ça, c'est magnifique. Je vais vous la démarrer, écoutez-moi ça. C'est incroyable ce bruit qu'elle fait. Alors on reste toujours sur des palettes en plastique, mais je trouve que celles-ci sont assez jolies. Après on est quand même sur quelque chose de super sobre. Et franchement, ça suffit. Pommeau de vitesse siglé RS avec le petit côté en Alcantara. Ensuite, bah, on reste sur un intérieur standard, mais le volant, franchement, je retiens que c'est vraiment la plus belle des choses de cette voiture. C'est vraiment incroyable ce volant, il est vraiment magnifique. Bon les gars, on est à bord du RS3 de 400 chevaux, une fusée sur roue. Déjà, premier ressenti, confort, c'est super souple, il n'y a pas un bruit. C'est très confortable. Donc on va se mettre en dynamique. Déjà, c'est différent, ça chante un peu plus. La boîte, mais alors par contre, elle est super, super, super réactive. On va se faire un petit départ arrêté, les gars. On y va, c'est parti. Eh, le virtual cockpit, en plus, c'est magnifique. Oh là là, quelle belle voiture. Écoutez-moi ce bruit. Incroyable, beau bruit, franchement très très beau bruit. Ça marche, hein. Y a rien à dire. Audi, leurs 5 cylindres, ils font clairement le taf. Franchement, je kiffe les gars, c'est incroyable. Ça marche très fort. Putain, quand le turbo charge, c'est incroyable. T'as une poussée, mais c'est incroyable. Là, je dis pas ça pour la vidéo, vraiment. C'est que quand tu commences à taper les 5000 tours, on roule tranquille. Il n'y a pas un bruit dans la voiture, elle est super bien sonorisée. On est sur une petite route bosselée, il n'y a pas de mouvement de bizarre, mais y a vraiment, on est bien. Après, tu repasses en sport, et là, c'est pas dynamique. On va mettre pied au plancher. Par contre, ça me tire vraiment, vous savez, quand j'accélère, ça me tire vraiment sur le cou. C'est un truc de ouf, genre vraiment, t'as la tête qui commence à se reculer. Consommation en moyenne, on est à 15 litres 2 en une heure de route. Par contre, je suis choqué les gars, comment la boîte est vraiment super fluide et super rapide. Regardez, je vais appuyer. Écoutez, je vais appuyer maintenant. C'est super fluide. Il n'y a pas d'à-coup où ta tête bouge. Au niveau de l'accroche de la voiture, on a un quattro qui est super bien travaillé avec une voiture qui ne bouge pas. Quand elle bouge, elle s'ouvre, donc ça évite tout danger avec la voiture. Donc, ce qui veut dire que tu vas pas risquer de glisser, mais tu vas s'ouvrir. Il n'y a rien à dire, le 5 cylindres, il fait un boucan les gars, démentiel. Dans les commentaires si vous avez des avis positifs ou négatifs sur la RS3, dites-moi ce que vous en pensez. Et la première les gars. Ah là là, mais ça me fait rire parce que ça te colle tellement au siège. Si t'achètes la nouvelle RS3, c'est sûr que tu vas te faire des abdos. Les amis, je vous rappelle mon Instagram, G3-Adrien. Allez me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Si vous aimez le RS3, les avis positifs et négatifs contre le RS3. Moi personnellement, j'adore. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye.